Et c'est qu'a fait Pascal, je nous là, moi dans restaurant Ayoli, Pétionville, pour vous parler de dernier tournée moi qui était le JBDM Tour qui débutait le 9 novembre et qui pourra faire le 4 janvier sur Pascal là. Mon cas dit c'était une expérience enrichissante. Nous découvrir un pile bel côté, nous un pile bel monde, nous apprendre un pile tout. Et mon cas dit c'est une tournée qui était vraiment puis émouvant pour moi parce que je passe un pile bel moment, je vive un pile expérience et je suis en train de grandir de tourner ça. Sans plus tarder, je commencé par le 9 novembre, qui était le jour que nous avons lancement, je semi-officiel de vidéo JBDM. Côté que nous avons invité quelques fanatiques, nous avons des vidéos en prélude avant de sortir. Quelques amis proches, quelques artistes. Et c'était un bel moment, je dis, parce que nous avons quelque chose pour partager un petit moment avec les fanatiques. Quand on a demandé à vidéo sur vidéo, nous avons des blagues, nous avons des petits cadeaux, nous avons fait des gift bags, côté que tu as des maillots, des posters, etc. Et nous avons été vraiment contents, nous avons été vraiment satisfaits de la journée. Ça. Et à part le lancement officiel de vidéo qui a été fait dans Chokare, nous avons vraiment débuté avec la tournée médiatique de JBDM. Nan. Côté que nous dépassons dans certaines radios, certaines télévisions pour nous faire promotion pour la musique. Et nous passons dans une dizaine de l'école. Tout. Nous allons visiter les étudiants, faire des photos avec eux, parler de projets. Nous avons vraiment profité de ce moment pour vivre un bel moment avec les fanatiques personnellement. Et en même temps, tout, sensibiliser les gens. Regardez autour de nouveaux singles, c'est des JBDM. Et concernant la performance, nous débutons avec Ench, qui était une province que je ne peux jamais aller. Et c'était la première fois que nous avons joué l'autre bois. Et je suis étonné pour moi à quel point mon Ench était soif parce qu'à mon sens. Parce que personnellement, je ne peux jamais aller à Ench. Et là que je suis allé, moi que grand pile monde qui vient spécialement pour moi et que là que me commencer jouer mon yo a vibe avec moi mon yo a chanter avec moi donc c'est un plaisir pour moi jouer gig ça côté que me déjà expérimenter regarder vibe ça non sens avec fanatique yo comment et de vraiment satisfait et penser que tout fanatique était là tout était satisfait ensuite regarder tout que une défonti social. Nous sommes passé dans l'hôpital Saint-Boniface, Fondé Blanc, avec Mika Ben. C'est un hôpital qui était handicapé. Et personnellement, je joue ça marqué parce que moi, j'ai essayé de monde qui pas gagné, on va dire, un bras ou pas un pied, ou peut-être un pied, mais ou pas qu'à marcher dans ce sens. Mais l'on regarde le visage de ça, ou est que y a gagné l'espoir. Et c'était un plaisir pour moi comme si pour me chanter pour yo pour y a un plaisir comme si le fait que yo t'es content le fait que yo t'es la joie dans que yo t'es bam on certain joie tout même you know gig tout qui était vraiment marqué pour tourner ça c'était le 22 décembre côté que m'a joué pour école hôtelière d'Haïti qui t'a organisé un block party devant l'école on t'a organisé un foire côté que des étudiants qui devine exposer certains produits. C'est là avec danseurs, danseuses moi yo. Nous avons une belle show, on garde mon côté content, nous fait photo avec un paquet de petit monde qui devine là juste pour ça. Et voilà, c'était époque Noël et c'est moment partage, c'est moment la joie, c'est moment on garde gaieté. So, nous avons vraiment apprécié ce moment ça avec fanatique yo et me pense que était content tout. Continuer, on garde nous aller dans une ville telle que Jacmel, nous aller petit Guave, nous est passé au Kaila Kaipam. Babban ou menti, le que m'a joué au Kai, c'est donc fierté pour moi, des amis, des moun que m'te qu'on a pour elle, m'te piti, pour y'en garder m'kap joué sur scène. So, m'bagache, c'est donc gros fierté pour moi pour m'ap joué le bois. Et m'te gèche ce famille m'te vin ou m'tou sur scène, so, ça allait vraiment faire plaisir. Merci au Kai! Comme de la vie, je ne peux pas vivre seulement un bon moment et des mauvais moments. Et ces moments qui font prendre conscience de certaines réalités dans la vie. Il faut me dire que une performance qui a eu un plus grand impact sur moi dans tout ça,
c'était performance moi dans Afro Reggae Taraz le 29 décembre. Faut me dire nous que c'était performance que depuis préparé pour tourner ça parce que tu as deux boîtes internationales qui t'a rentré et tu es vraiment focus sur chose ça. Mais sans pas vraiment arrêter sur ça qui t'est passé juste ça. Ma fin connaît que pas vraiment grand pile monde qui était content présence pendant la lineup ça. L'homme de pas jouer. Et ça a vraiment frappé au moment que j'ai commencé la performance. Et ça a donc déjà déstabilisé moi. Mais pendant que je suis sur stage, je me dis, yo, ça va pas là, bro. Ou bien là pour faire un show. So, whatever moon qui parle là, ou peut-être qui parle d'accord pour là, faut que démentir, comment? Faut que prouver tête. So, dans mi temps choix même, moi reprendre tête moi et me dit OK, Pascal, on va bouler ça soir. Et c'est la raison pour laquelle que me décider faire backflip là on stage. Pour la première fois. Grand pile monde qui pas comme ça mais moi t'ai apprendre faire backflip là avant show. Même pour que j'ai maîtrisé. Mais mouvement backflip là relé vec pour mourir. So pendant mon stage, me dit yo, you know what? It's go hard or go home. So me dit yo, on fell. Et moi fell. Et c'était une regardé moment clé de performance là et me quand dit que m'apprendre en pile de expérience ça et tout suite me fini performer montrer la caille moi il est manager Christian parce que il pas là avec t'as déjà impossible je sois ça Jamel et moi dit yo on contrat en pile comme si vraiment déçu de tête moi comme si yo me pas senti que me baille le meilleur de moi même à soir et puis il dit, yo Pascal, ma pose une seule question. Est-ce qu'on finit show? Il dit, yeah, on finit show. Et bien, on fait un backflip. Il dit, yo, je n'ai pas gagné encore, brother. Je suis fier de vous. Et vous êtes champion. Parce que vous n'avez pas quitté un obstacle. Craso. Et c'est obstacle ça qui va le faire. Bien, en Dieu, c'est tout. Et qui va mener une meilleure version de tout. Et depuis le ça, il dit, you know what? Je ne vais pas attendre tout ça pour tout le monde a dit de yoa. Parce que, vle ou pas, il y a des gens qui apprennent, des gens qui apprennent. Moi, Raymond. So, vive pour tête, bah le meilleur de tête. Et puis, continue à passer. Et puis, je vais dire, pas de meilleur moyen pour me faire tourner ça. Avec un gig le 1er janvier, Go Naïve. C'est la première fois que je suis venu à Naïve. Et je passe un moment inoubliable. Yo, fanatique, yo te sous ça, fanatique, yo te content, fanatique, yo te enthousiaste. Yo chante à gauche déployée. Yo vibe avec moi. Yo te répond présent à toute animation que je fais. Pas de meilleure façon pour te débuter l'année. Quoi de mieux pour finir tournée avec nomination comme révélation de l'année? Merci à toute entité qui décerne mon prix ça. C'est un honneur pour moi en tant que jeune pour me faire valoir jeunesse là comme ça doit et dans le HMA là en sens. Et comme résolution pour année ça, moi bail tête objectif pour moi aller plus loin, faire plus bagaille, travailler plus, travailler plus bien pour me vendre des produits de meilleure qualité. Et pour me présenter pays, ma culture, moi, dans le monde entier. So guys, 2019 is the year. Et Anissa, dédié à chaque grain fan. Merci à dévouement nous, merci à avec support nous, love que nous bons moi. Bab j'aime, suspendu nous merci. Et si Pascal a jeudi à, c'est grâce à nous. Et bah quoi m'a dit plus que merci à tout staff. Management moi, Christian Serena, Lionel Pasquier, Yandy Cavé, merci à Fanatico, merci à Gilberto Clerget,
qui des caméras ça. Merci à Gracia et le design qui était avec pendant tournée, Wesley. Yo. Anessa. C'est nous.